Et bonsoir, bonsoir Crash. Oui, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est bien fait ça. Hop là, tac. Oui, c'est pour ça les références. Les références Astérix. C'est parce que je suis allé voir cet après-midi l'avant-première de Astérix et l'Empire du Milieu. Bref, ouais, ben en fait, je voulais pas le voir, moi, en fait. Je voulais pas le voir, et c'est une amie qui m'a proposé, et je me suis dit, bon, allez, on essaye. Hop. De toute façon, hein. Hein, bon, voilà. Et non, n'allez pas le voir, s'il vous plaît. N'allez pas le voir, s'il vous plaît. Voilà, on fait ça propre. Tac, 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 tac. Alors, par contre, t'es censé me capturer le jeu. Tu me disais que tu me capturais le jeu. Là, tu me captures rien du tout. Est-ce que tu me captures un truc? Là, tu me captures un truc. Eh bien, brave petit. Alors, salut Red Beer, une amie. Elle a mis votre amitié à rude épreuve. Oui, bah écoute, tu sais quoi? Alors, et du coup, les regrets sont immenses. Alors, attendez. Attendez, je termine de configurer tout ça. Je suis à vous dans quelques instants. Quelques instants. Laissez-moi juste quelques instants. Tac, 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 tac. Ouais, c'est bien, on va dire que c'est pas mal. Hop là, ça c'est bon, c'est configuré, c'est fait. Voilà. Propose-lui un resto et tu l'emmènes au McDo. Alors, non, en fait, parce que ni elle ni moi n'allons manger du McDo. Oula. Par contre, j'ai pas de filtre. Comment ça se. Qu'est-ce que ça dit avec le micro? C'est trop violent? Ça crache trop? Et cette amie, elle est dans ce chat avec nous? Non. Le micro est bien. Ah ouais? Parce que quand je parle, OBS, là, il est limite sur la limite rouge. Mais si tu me dis qu'il est bien, c'est bien. Parce qu'en fait, là, j'ai désactivé Nvidia Broadcast, puisque visiblement, il fait faire cracoter les choses. Et salut, Babiche. Alors. Donc, on est sur The Witness. Donc, The Witness va pas avoir beaucoup de son. Est-ce que vous voulez une petite musique d'ambiance? Un petit son ambiant, en fond, ou pas? Salut, Philosophe Lou, ça va? Un petit son, petite musique lofi, chill. Libre de droit évidemment, ça vous intéresse éventuellement? Pour parce que le son, le jeu n'a pas de son en fait, il a juste des bloop bloop bibla bloop. Ou une petite musique d'ambiance, non? Ça vous parle, ça vous parle pas? Dites-moi. Je vais. Allez du lofi, hop là on y va. Say no more. I'm your man. Allez, lofi. Lofi chill stream. Lofi chill stream. Lofi chill. Ah ben voilà, on va mettre la Lofi hip hop radio que j'utilise souvent, qui me semble elle est ok. Voilà, alors je regarde juste. C'est pas mal. Ça me. Je sais, en fait, j'ai désactivé Nvidia Broadcast. Parce qu'une via broadcast fait cracoter ma voix des fois et je ne sais pas à quoi c'est dû donc je vais essayer de faire sans. Le problème c'est que vous allez entendre mon clavier alors que le micro est devant parce que du coup même s'il est devant vous entendez le clavier, voilà, c'est triste. Donc je ne sais pas trop comment on va faire mais vu que c'est un jeu calme, qu'il y a de la musique lofi, des petits bruits de clavier, je pense que ça peut le faire, non? Enfin je pense pas que ce soit dérangeant. Si vraiment durant le stream, ça vous dérange, vous me le dites. Moi, je pense que justement, ça rajoute quelque chose à l'ambiance. Bah oui, je sais, joli son de clavier, j'ai fait exprès de prendre les clickies parce que j'aime beaucoup ce son. Donc, juste le ding du retour chariot pour donner une ambiance rétro. Ah, bah écoute, c'est quoi? Je vais essayer de trouver ça. Sauf si tu prévois de crier. Non, mais je prévois pas de crier. Je prévois uniquement, vraiment pas de crier. Alors. Ouais, la musique est parfaite. On est bien. On est posé. Ouais, alors on va faire. Commencer une nouvelle partie, même si c'est déjà le début. The Witness. Voilà. On commence.
Est-ce qu'on aura droit à des ronrons de Pixel? Ben, Pixel, non, elle dort dans la chambre, malheureusement. Elle est pas déterre là, à bouger. Et je la force pas, moi. Alors, ça commence bien. WASD, super. Merci, Jonathan Blau, de penser à nous tous. Comment ça, il n'y a pas. Non, 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 non. Ah, commande, j'ai eu peur. Vas-y, dis-moi que je peux changer. Contrôle souris, personnaliser touche. Ouh, putain, pendant un instant, je me suis dit, le jeu de Jonathan Blanc permet pas de changer les touches. Voilà. On est bien. Alors, The Witness, je le connais, j'y ai joué pas mal d'heures, je l'ai lâché un moment. Là, je l'ai rien fait parce que j'avais envie, en fait, de le faire réellement. Non, mais t'es pas sérieux. Oh, punaise. Oh, punaise. Alors, moi, je connais le jeu. Ce qui fait que là, en ayant à peine commencé le jeu, j'ai déjà vu un truc. Je connais le jeu. Donc, en fait, la plupart des épreuves, je vais aller très rapidement. Mais on va faire la chose. Toute simple. Voilà, The Witness, c'est ça. C'est des puzzles comme ça. T'as un point de départ, faut que t'arrives à la fin, que tu relâches le clic, tu résous le puzzle. On est d'accord? Non, c'est pas négatif, mais regardez. Ah, attendez. Il est là. Il est là, ce petit con. Regardez-le! Regardez-le! On est à peine au début du jeu. Est-ce que vous le voyez ou pas? Vous allez vous dire, mais attends, il est en train de craquer. Regardez ça. Ah, je sais pas, par contre, il me l'a pris. Voilà. Merde. En fait, la première fois que tu fais le jeu, tu t'en rends pas compte. Mais quand t'as joué au jeu. En fait, dès le début, il te troll comme ça. Parce qu'en fait, le puzzle, c'est ça. Mais le puzzle, c'est le monde aussi qui t'entoure. Tu vas voir, en fait, ces puzzles partout. Et alors là, vous dites, oui, bon, là, c'est. Oui, hein. Mais enfin. Ouais, d'accord. Allez-y, allez-y, écharpez-vous, parce que moi je. Non, ça ira. J'ai assez donné sur. La musique est un peu énervante. La musique est forte. La musique est trop forte. Je veux que ce soit un fond sonore. Voilà. On baisse d'un cran. Excusez-moi. Je trouve que ton Christian Clavier fait beau de bruit. Oui, et le Christian Clavier n'est pas dans le film. Après, je sais qu'un certain Monsieur Down n'aime pas trop Christian Clavier. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi, je le trouve ok dans les films qu'il fait, mais je. Voilà. Donc voilà, The Witness. Alors, est-ce qu'on fait genre, je vous explique le jeu ou on s'en fout, on y va, quoi. Je joue, hein, on va pas se faire chier, hein, en vrai. Sauf si vraiment il y a quelqu'un qui est là en mode. Ah non, mais c'est quoi The Witness? Vas-y, raconte-nous, s'il te plaît. Oh là là, t'es pas cool, prends ton temps, là, punaise. C'est bon, enfin, je fais fin de shift là, j'ai pas envie d'expliquer quoi. En vrai. Allez, le speedrun. Ouais, ok. J'ai pas fini le jeu en fait. Mais on va essayer de speedrun. Putain, t'es vraiment un bâtard, Monsieur Blow. T'es vraiment un petit bâtard, hein? Je te méprise là. Putain, il l'a fait là. Regardez, il est là. Il est là le puzzle. Il est là, là, je le vois. Punaise, c'est un bâtard parce qu'en fait. La première fois que tu découvres ça, d'ailleurs, tu mind blow totalement. Hé, hey, Jonathan Blow, mind blow. Il fatigue, hein, il fatigue ce bonhomme, hein, quand même, à avoir créé ce jeu. Parce qu'au début, tu dis c'est juste des petits puzzles comme ça. Et en fait, quand tu te rends compte ce qu'il fait, tu es ouais, non, mais attends, mais t'es un fumier en fait. Bref, hop là, ça c'est fait. On va aller au prochain. Ouais, bon, bref. En plus, j'aime bien parce qu'au début, il se dit oui, il prend vraiment pour un concon en faisant faire des puzzles qui se ressemblent à des labyrinthes tout bêtes. Et il a raison en fait de te prendre un peu pour un idiot. Ah, c'est tac tac tac. Tac 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 tac. Hop là. Parce qu'en plus, ça rend fou maintenant. Quand tu sais qu'il y a des puzzles dans l'univers, dans le monde, tu regardes de partout, en fait, tu regardes tout de manière ultra suspecte. Si je bouge trop vite la caméra, vous me le dites hein, aussi. Hein, je me rends pas forcément compte.
Ah, mais c'est quoi The Witness? Raconte-nous, oh là là. Ouais, c'est bon, babiche. Hein. C'est bon, hein, ça suffit. T'arrêtes. Ok, donc ça c'est fait. The Witness, c'est un jeu qui te prend pour une grosse merde. Qui va te faire croire que t'es intelligent, mais qui te prend quand même pour une grosse merde du début à la fin. Voilà, ça te va? C'est une explication valable pour toi ou. Hein? Lui, il sert à rien, donc c'est lui. Ouais. Hop là. Ok, et tu actives quoi? Tu actives celui-là, qui est déjà fait, d'accord. Et le troisième, c'est celui-là. D'ailleurs, si vous avez aimé The Witness, même si vous l'avez pas fini, c'est pas grave. Faites le jeu The Looker. Louis Ferdinand Sebum en avait parlé. Il avait fait un petit billet sur ce jeu. Et il est vraiment sympa. Moi, j'y ai joué. Il est super cool parce qu'il se moque un peu de Jonathan Blow tout en le respectant. C'est assez. J'aime beaucoup. Et du coup, je vous le recommande. Vraiment. Très sympa. Alors. Attends, j'ai pas tout lu. Et tu t'es pas encore rendu compte que c'est pareil dans la vie. Non, mais si, je me suis rendu compte dans la vie que c'est pareil. Si tu mets les doigts dans la prise et que tu manques et que tu manges un sachet de silicone en timidité, tu actives la seconde phase de la vie. Non, mais je l'ai déjà fait en fait. Et du coup, je peux plus bosser. Ah, mais c'est fatigant de créer un jeu, c'est sûr. Surtout en particulier les jeux de puzzle. Fini à moitié fou à s'enfermer dans la cave en parlant nos cadavres empalés de. C'est ça, empalés de sa maman. Du coup, voilà. The Witness, c'est simplement un jeu de puzzle. Un jeu de puzzle qui te prend pour un débile au début et qui ensuite veut te faire montrer qu'en fait, en fait, t'as l'impression qu'il te prend pour un débile et à la fin, il te dit non, en fait, t'es pas débile. Tu peux réussir. Et il fait ça de manière ultra progressive. Et je trouve ça très bien. Attends. Ok. Mais attends, celui-là il est coupé des deux, non? Attendez, je vérifie. Au doigt. Ah non, il est là. Voilà. Tac, 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 tac. Hop là. Ah, ok, lui ça active celui-là, mais ça je m'en fiche. On verra plus tard. Faut d'abord. C'est ça. Là, il t'explique que selon où tu vas mettre, ça va activer différents mécanismes. Ah, mais. Voilà, c'est ça, ça désactive celui-là et ça active celui-là. Donc ça active la petite languette, voilà, là, donc on y va, tac, 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 tac. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est sortir d'ici. Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Où c'est que moi? Enfin, après, est-ce que vous avez fait le jeu aussi? En vrai. Est-ce que vous connaissez le jeu? Est-ce que vous avez fait le jeu? Parce que là, il me hante le jeu. Regarde ça. Genre, c'est pas abusé ça? C'est pas genre méga abusé ce puzzle-là? Ah, c'est quoi ça? Oh non! Les atroniques, je peux pas du tout. Je peux absolument pas. Et merde, en plus, je sais pas si j'ai bloqué le jeu parce que genre, je peux pas aller plus loin maintenant. Je suis obligé de faire ça. C'est génial en fait de faire une nouvelle partie sur ce jeu. Oh non, attends. J'ai l'impression qu'il l'a fait aussi sur ce truc-là. Non. En fait, je vois ces puzzles partout, ils me hantent. Et ce puzzle, est-ce qu'il est avec vous en ce moment? Ce jeu, il te rend nuts. Je te jure. Waouh, mais c'est quoi ça? Je connais pas. Moi à la base je pensais juste faire le jeu comme ça, faire 2-3 petits puzzles, c'est rigolo. Oh c'est génial, des dessins préparatoires. Alors je sais pas si c'est des vrais dessins préparatoires ou c'est des dessins qu'il a fait genre ces dessins préparatoires. Oh c'est mignon. Si ça se trouve ça c'était la toute première version de son jeu. C'est génial. Tu sais, moi je pensais jouer au jeu, tranquille, chillou, et en fait je me fais encore plus mind blow que ce que je pensais me faire mind blow. Ah, une petite caméra, c'est rigolo. Ça c'est le reflet, ok. Je comprends même pas là.
C'est cosy, hein. J'aimerais bien être dans un hôtel comme ça, là. Tout chouette, là. Tout mignon. Ouais, on dirait des concept art. Le problème, c'est que je sais pas si c'est des vrais concept art ou si c'est des concept art qu'il a fait, genre, c'est des concept art pour le jeu. Tu sais, genre, je suis sûr qu'il pourrait faire ça, lui. Tellement qu'il est... hein. C'est un très bon designer, mais alors, comme personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien ou pas. Je suis pas... Oh! Alors ça, c'est les audiologues. Hein. Stop. Il y a un puzzle sur le tableau précédent. Quoi? 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 Où ça? Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Mais ça, c'est un... Mais attends, tu crois que tu peux le faire, là? Non, tu peux pas. Si tu parles de celui-là, là, le puzzle vert, là. Le bleu vert, là. Tu pensais à celui-là ou autre chose? Ouais, non, mais c'était non, c'était sûr que ça... Tu sais comment j'ai remarqué que c'était pas un puzzle? C'est parce qu'il y a un reflet dessus. Et en fait, les traits de destination ne peuvent pas être... Faut qu'ils soient nets, en fait, pour que le trajet se fasse. C'est pour ça que j'ai pas du tout... je l'ai totalement snobé. En fait, tout le trajet doit être totalement... genre là, tu vois, ce trait-là, il est tout clean. Il n'y a aucun reflet. Et donc, tu peux être sûr que ça pourrait être un... Voilà. Mais... En fait, quand t'as joué un petit, quand tu joues genre 3 heures à ce jeu, 3 heures à ce jeu, ton cerveau il est en train de débloquer. Bon. Alors, oui, je disais, ça c'est un audiologue. Architecture. Form Design Studio. Diana Van Buren. Rodrigo Lima. Fletcher Studio. David Fletcher. Nicholas Wright. Beth Bakalich. D'accord. On dirait des comme des crédits. Ok. Et si ça se trouve, c'est des crédits en fait. The core development team of the witness was comprised more or less as follows. Design and generally steering the ship, Jonathan Miller. Sans déconner. Ouais, c'est ça, c'est crédits de fin. Ah, c'est malin. J'adore. Ah, j'adore. Ok. En plus, jeu est moins prise de tête? Non, je crois pas. Non, absolument pas. Là, tu penses c'est easy, mais en vrai, non, c'est non. En plus, en fait, moi, je suis biaisé parce que j'ai déjà fait le jeu. Donc, j'ai pas en fait une redécouverte. Alors, j'ai pas fini entièrement le jeu. Il y a plein de puzzles que j'ai totalement pas fait. Parce que j'avais pas forcément le temps, que j'ai... En fait, comme dit, j'ai arrêté le jeu. J'ai lâché le jeu parce que j'avais d'autres trucs à faire. Mais c'est un jeu que j'adore, que je respecte énormément. Et non, non, c'est pas du tout Myst, c'est du caca de chien. C'est pipi de chat. C'est vraiment... je pense pas à quel point tu te rends compte la complexité des puzzles. Ouais, mais c'est ça, j'aime beaucoup ce côté. Tiens, t'as les crédits. Moi, je pensais que c'était un puzzle comme ça. Et en fait, j'ai activé les crédits sans le vouloir. Oh, par contre, il y a des puzzles là. Ouh. Tain, en fait, moi, je commence par la fin. T'sais. Quelle meilleure manière de commencer que de commencer par la fin. Hein. Ouais, il y a des puzzles partout. Oh là là. Oh là là. Oh loulou. Des bouteilles de vin partout. Est-ce que c'est un message caché, genre Jonathan Blanc, il adore le vin. Tu sais, c'est classe, hein. Franchement. T'imagines un resto comme ça, avec une vue comme ça. Ça pète, hein. Alors ça, du coup, c'est l'île du jeu, hein. T'es pas censé la voir sous ces angles-là. Voilà. Donc ça, c'est le jeu. Ces puzzles sont pour coder le prochain DLC. C'est ça. Merci, Babiche. T'as reconnu... Le wololo. C'est vraiment très joli. Bon. On va voir hein, si ça se trouve. Il n'y a rien de. On avance. Hein. Attends, il y avait quelque chose là peut-être derrière. Ah, ouais. La suite des crédits. Special thanks to our friends at Sony. Nick Suttner. Adam Boyce. Ok. Justin Massengill. D'accord. Alessandro Bevetti. Oh, c'est joli, hein. Belle vue hein, de l'île.
Tiens, d'ailleurs, je me permets, je fais un petit instant promo réseaux sociaux, tout ça, machin, bidule, schmurz. J'ai oublié de le faire. Et du coup, ça, c'est une belle vue. D'ailleurs, Sector, il est pas là. Pourquoi? Il pense que je vais parler du film ou quoi là? Il me boude. Hein. Oups. Je pense là, vous avez entendu le le micro se péter la tronche. Vous entendez les vibrations de mon tel? C'est vrai, décès des oreilles. Je suis vraiment navré. Je dis ça avec un gros sourire, tu sais. Ah oui! Avec la. Tu arrêtes de tomber. Tu bouges plus, toi. Tu te tiens un carreau. Sinon, je t'en fous une. Enfin, non, je t'en fous pas une parce que sinon, les. Ouais, qui spawn avec le cafard, avec la grosse caméra sur le cafard, c'est excellent. Ouais, ouais, ouais. Elle est jolie, hein, cette île. Et vous verrez, elle est encore plus jolie quand on va vraiment y jouer. Quand on va pas faire les crédits de fin, en fait. Tac, tac, tac. Ouh, c'est mignon, ça. C'est quoi? C'est un long chemin tout droit. On marche dans le vide, presque. Waouh. Oh. C'est excellent. Ah, oh, mais c'est une... On dirait une photo des bureaux. C'est génial. Ah, c'est une vidéo. On dirait une vidéo avec la compression comme ça, un peu dégueu, c'est chelou. C'est audacieux, j'aime bien. Oh, il y a un puzzle. Ah oui. Ah oui, alors attends, la règle c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah non, attends. C'est là où tu... Parce que si je fais comme ça, je sépare le blanc et le noir, mais je sépare pas eux du reste. Comment on fait? Attends, c'était... Putain. Parce que si je fais comme ça, c'est eux qui sont pas séparés. Ouais, tu sais quoi, fuck it, hein, on verra plus tard. Pas que ça a foutre, là, je vais aller jusqu'à la fin de ce truc, voir s'il nous amène à quelque chose de spécial. Instant promo, ce live est réalisé par Vactro avec l'EMA participation du chat spécial 5 Pixel. Exactement. T'imagines? Mais en fait, Sector, il est pas là, c'est ultra dommage. Parce que j'aurais bien voulu voir baver sur ce jeu, je suis sûr il aime pas ce jeu. Ou alors, il aime ce jeu, mais il déteste Jonathan Blow. Ou alors, il déteste les deux. Mais je suis sûr, il a un avis intéressant sur la question. Là, on passe une porte. Oh, ça va être une vidéo où on se réveille. Où le personnage, il se lève. Ouais, j'ai vu ça. Si vous comprenez rien, c'est normal. Alors ça c'est... Comment expliquer? C'est probablement très prétentieux. Mais en même temps c'est Jonathan Blow. Genre là en fait c'est comme si il débranchait les appareils. Ouais c'est ça, on sort de son cerveau, tu sais. Et genre, hé, hey, t'as vu, c'est ma conscience, je suis trop intelligente, là là. Genre, enfin c'est bon mec, descends un petit peu avec ton melon. C'est un excellent, vraiment un excellent
Game designer, hein. Vraiment, on peut pas lui retirer ça. Le problème, c'est qu'il a le melon qui va avec, hein. Non, mais c'est n'importe quoi. T'imagines? Alors, en vrai, ce serait drôle. Au moins, il sait, il prendrait conscience et surtout, il jouerait de ça. Et là, ce serait rigolo. Ça enlèverait pas le fait qu'il ait un melon, hein. Mais au moins, ça serait rigolo. Bon. Ce serait bien que t'avances. Ouais, ou tu te pètes la gueule, mais qu'il se passe un truc là, parce qu'on se fait chier. Moi, j'étais venu pour jouer, pour faire des puzzles à la con, et là, je vois une vidéo. So méta. Et je pense que même si j'avais. Alors, c'est marrant parce que, genre, il a eu le temps quand même de faire 3 ou 4 pas avant de tomber, tu sais. Normalement, si tu te lèves, tu le sens tout de suite. Donc. Bon, bref. Oui, je disais que c'était. Je sais plus, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ouais, c'est moi, je viens pour faire un jeu et je vois ce truc-là, bon. Et je suis même sûr que si t'as fait tout le jeu, tu trouverais quand même cette vidéo un peu. Ce début de vidéo, en tout cas, très prétentieux. Mais je suis très déçu, là, pour le coup, je suis très déçu que Sectar ne soit pas là, parce que je suis sûr qu'il aurait eu des avis très intéressants sur la question. C'est peut-être pas qu'on était dans son esprit, mais que la personne qui se réveille est quand même très malade. Hein. C'est le genre de personnes qui ont des électrodes et des cathéters d'habitude. Ouais. Ouais, mais du coup, ça veut raconter quoi en fait là? Tu vois, c'est ça que je veux dire. La vidéo, elle veut raconter quoi? Surtout qu'on a vu. Enfin, je veux dire, c'est chelou quoi. Tu sais, c'est pas une vidéo où quelqu'un il prend entre guillemets son téléphone et il filme. Là, c'est comme si tu voyais la tête du gars et on l'a vu avec l'ombre. Il y a tout un mécanisme, tu vois, là sur sa tête, tu vois tout un mécanisme qui filme, qui machin. Donc c'est pas simplement. Voilà. Il y a une volonté de raconter un truc. Alors là, il veut te montrer. Eh, t'as vu, il y a les ronds. Eh, t'as vu, c'est comme des puzzles dans la vraie vie. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas besoin de cette vidéo pour le savoir. Ouais, il aime les ronds. Cette vidéo, bon. Parce qu'en vrai, moi j'ai joué, je sais pas, 8 heures au jeu apparemment. Et oh, t'as vu, c'est des ronds. Ah, c'est trop bien, c'est des ronds. Et regarde, et si tu mets près d'un trait, et regarde là, ça va faire un. Ah, oh, ça va faire un trait. Bon, ça fait un puzzle. Oh, c'est bon, hein, ça mange, c'est un bon goût. Hein. Bon. Et si ça se trouve, c'est une vidéo de 2 heures, hein, on n'est pas prêt. Hein. Moi, j'y touche pas à la vidéo. Moi, je la laisse tourner. En vrai. Il fait chier avec ses ronds. Hein. Il a un grain. Mais je dirais ça à la fin de la vidéo. Je ne peux pas te dire ce que j'en pense si je ne l'ai pas vu en entier. Mais en vrai, le dernier strike, n'allez pas le voir, hein, vraiment. J'insiste là-dessus. Bon, il fait un truc. Allez là. Non. Ouais, ça fait artsy quand on est très très malade, le cerveau vous fait vivre des expériences bizarres, c'est le jeu que j'ai voulu retranscrire dans ce jeu. C'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ce jeu, exactement. Imagine si on avait eu le pharaon jouant à tableau, on aurait eu des pyramides d'Égypte ronde, avec des traits qui les suivent. Du coup là, il monte son chez lui, hein, c'est cool. Oh, t'as vu, il y a un rond là. Non, mais c'est juste que là. Ah, t'as vu, il y a un rond et avec un trait.
Non, c'est pas ça, c'est juste que là, en fait, je connais le personnage, du coup, je connais son intention qui est de, hey, t'as vu, je suis trop méta, et ça me gonfle en fait. Ça aurait été, je veux dire, ça aurait pas été Jonathan Blow, j'aurais été intrigué par la vidéo, sauf que je sais ce qu'il veut nous raconter, et du coup, ça me gonfle, c'est pour ça. Vraiment, je suis le premier à aimer les films longs. Parce qu'ils ont le temps de raconter des choses, ils ont le temps de poser des ambiances, ils ont le temps de prendre le temps, en fait, simplement. Donc, non, pas du tout. Les jeux, même chose, j'aime bien prendre mon temps aussi. Enfin, voilà. C'est juste que, comme dit, vu que je connais le personnage, j'ai forcément un a priori sur ce qu'il va nous présenter. Mais t'imagines ça à la fin? Et en fait, tout est rond sauf la Terre. La Terre est plate! Non mais Jonathan Blow, on le sait depuis Braid, hein, qu'il est très particulier. Je pense sans méchanceté qu'il a peut-être un côté un peu autiste en fait, dans le sens où il a vraiment une très très grande intelligence, mais il a des blocages, il a des choses, voilà. Braid, exactement. C'est... Le jeu s'est quitté tout seul, d'accord. Bon, ben voilà, j'ai pas, je relance le jeu. Hein. Ah, ça par contre, tu vois, ça je m'y attendais pas et c'est cool. Ça, en vrai, je suis assez content parce que ça c'est cool. C'est voilà, la capture a été reprise. Ça vraiment, ok, j'accepte. Le coup ça te quitte le jeu, j'aime bien. Non, parce que tu vois, il m'a repris direct là. Donc je peux continuer. Tac, tac, tac. Donc attends, le puzzle, est-ce que c'est ça? Bon, on s'en fout en fait, hein, on peut le faire n'importe comment. Hein. Ça marche. Là, en fait, là, la règle de base, c'est que simplement, il faut aller d'un point A à un point B. Ça, c'est la règle. Voilà, maintenant, on va pouvoir continuer à jouer. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que je t'ai pas vu? Ça, vous voyez, ça c'est un chemin. Je suis sûr, si tu as une vue un peu en hauteur, ici, je suis sûr. Ah ouais! Je suis sûr, il y a un rond là, il y a un rond quelque part, il y a un rond. Il y a un rond! Il est où le rond? Bon. On va rester zen, on va rester calme. Voilà, donc le jeu maintenant, une fois que tu as fait le tuto, il te donc te lâche. Et là, t'y vas à feu. Hein. T'es libre de tes déplacements, de découvrir l'environnement qui est très joli, hein, en vrai. Hein. Vraiment, le jeu, on lui enlèvera pas ça, il est beau. Il est magnifique. Il m'a pris pour qui, là? T'as cru que je l'ai pas vu ou quoi? Alors ça, je vous expliquerai pas tout de suite. Hein, le coup des puzzles comme ça qui sont visibles. Mais, voilà. Ah oui, vous êtes spoilé sur le jeu, je m'en fiche. Hein. En vrai, sur les énigmes ou quoi, voilà. Vous venez en connaissance de cause, en connaissance de cause, vous savez que voilà. C'est, je suis pas là pour voilà, vous faire découvrir ou quoi. Moi, j'y vais. Hein. Donc là, ça, il faut récupérer les petits boutons. Parce qu'en fait, tac, tac, tac. Ouais, hein, je peux pas récupérer. Hop, 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 faut récupérer les petits boutonniaux. Et ensuite, on passe au suivant. Tac, 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 hop là. Ensuite. Hop là. Ensuite. Alors là, il y a deux démarrages, vous voyez. Ça te demande de faire des choix. Et. Tac, 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 tac. Hop là. Là, il y a trois choix. Ok. Toc, mais si je fais ça, je suis obligé de passer comme... Non, ça va pas le faire. Ah, attends. Non. Si. Hey, ah non. Ah ben si. Mais non. Allez, comme ça. Tout bêtement. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez me backseat, j'accepte. Vraiment,
Je suis pas en mode, non, backseatez pas, sinon je vous banne. Je vais pas banner les deux viewers qui sont ici. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Ok, donc là, j'ai fini cette série. Et ben, bravo à toi. Bravo, Victor. Bravo. Hein. Tu as réussi des trucs. Hein. C'est tout. On passe à la suite. Tac. Donc là, il aime pas. Donc, faut les séparer. Tac. 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 Hop. Tac. Hop. Hop. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop là. Alors probablement si je vais vite, c'est pas. Ouais, c'est ça en fait. Là je vais vite parce que comme dit, j'ai probablement des souvenirs de ces puzzles. Mais c'était longtemps, j'ai joué vraiment il y a un paquet d'années. Hein. Mais je me souviens des règles et du coup vu que je me souviens des règles, je sais à peu près je comprends à peu près la logique. Alors on va faire comme ça, comme ça. Bim. Ok, ça c'est fait. Donc là, vous avez compris la règle, hein, c'était séparer les blancs des noirs. L'autre, la règle, c'était de manger les petits trucs en même temps, façon Pac-Man. Et c'est important en fait de retenir ces règles. Parce que c'est pas juste un puzzle terminé, au revoir. Ensuite, t'auras d'autres puzzles. T'auras d'autres puzzles dans le jeu qui vont simplement te dire. Bah du coup, t'as la règle de séparer blanc et noir, de récolter des trucs, et en plus de faire une symétrie. Et là, tu fais... Alors là, là, je peux aller en haut du château. Et ensuite, on peut monter les blancs neige. Ça dépend si t'as l'échelle ou pas, en fait. Si t'as pas l'échelle, tu peux pas monter les blancs neige. Normal. Vous me direz. Ah. Voilà. Petit salaud de Jonathan. T'as cru que t'allais franchement m'avoir comme ça. Ah non, c'est pas par ici que je peux le faire. Ah, attends, c'est-à-dire que si... Ah il est là? Il est là ou il est pas là? Bim. M'a pris pour qui, là? Hein? Bam. Et oui, ça ramène des petites particules qui ensuite vont se mettre dans un genre de totem. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vraiment un stream chill. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, ma tête, elle est reposée, hein, en vrai. Donc ça me fume pas trop la tête. Donc j'espère que pour vous ça ira. Vous allez pas trop fumer de la tête non plus. Ce serait dommage. Par contre j'ai zappé de. Là faut que je fasse le puzzle en haut pour activer le truc là-bas. Bon, c'est pas grave. Ah oui. Et là, si on va là, on va dire ça sert à quoi d'explorer par là et tout. C'est trop nul. Là là. Hey, c'est là. C'est là, il est là le puzzle, tu le vois ou tu le vois pas? Hop là, tac. Bim. Et ce qui fait que d'une certaine manière, si vous avez jamais fait le jeu et que vous le voyez pour la première fois ici, vous le gâchez, hein, clairement. Vous le gâchez la découverte si vous vouliez le faire. Hein. Ça, voilà, il n'y a pas de. Hein, bon. Mais bon, vous en doutiez un petit peu avant de venir sur le stream. J'espère. C'est du pollen, c'est ça? Pourquoi on peut aller jusqu'ici? Il y a une raison. C'est pas ça, parce que là, il est pas orange. C'est à cause de quoi? Parce que ça, c'est fait, et là, il n'y a pas de rond, donc on peut pas le faire. Marrant ça, ce trou là, ce petit trou là, il est chelou. Je suis sûr il y a un truc avec les nuages. Non, parce qu'il allait à ce point là. En fait, quand vous pensez que les choses sont juste là pour faire joli, il n'y a rien qui est là pour faire joli. Tout est là pour le game design, pour son game design. Donc c'est ça qui est impressionnant. C'est que c'est effectivement joli, mais c'est pas la fonction première du décor. La fonction première du décor, c'est du game design, c'est des puzzles. Et c'est pour ça aussi que le jeu a été acclamé
par la critique et par les joueurs, en fait, les joueurs assez, enfin, qui ont essayé de pousser plus loin le concept que simplement il faut juste aller d'un point A à un point B avec les tableaux tout nuls. Non, ça va plus loin. Bon, je ne sais pas pourquoi il y avait ça. Je vais retourner à l'entrée pour activer le truc. Alors, c'était par où? C'est par là. C'était celui-là. Celui-là? Non, pas celui-là, c'était l'autre. Tac, 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 tac. Voilà. Hop là. Tac. Celui-là est désactivé, mais on s'en fiche, vu que la porte est ouverte. On s'en pète. Et ensuite, on va remonter. Enfin, je crois pas qu'on ait besoin d'aller là. Mais du coup, le câble, il a l'air d'aller derrière. Ah, ça a ouvert une porte. Ouais, si des fois je m'arrête et je regarde, c'est tout simplement que j'ai des doutes s'il n'y a pas un puzzle d'environnement. C'est uniquement ça. Ok, bon. Je pense des fois il fait exprès, il joue de ça. Oh, Kofotomi, hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça? Ah, tu vois déjà là. Voilà, ça c'est mieux. Et ensuite, comme ça, comme ça, comme ça. Hop là. Yes. Oh. Ouais, ça c'est un mini puzzle qui est caché là, on sait pas pourquoi. Et il n'y a pas de manière dans le jeu, en fait, vu qu'il te laisse totalement libre, on peut pas dire que là je fais pas le jeu de manière standard, linéaire, hein. Je pense pas qu'il y ait vraiment une bonne manière de faire. Alors voyons voir. D'accord. Ça a l'air d'avoir fonctionné comme ça. Je sais pas ce que ça a activé ou pas. Oup, purée de pommes de terre. On va dire que c'est comme ça. Non, c'est pas comme. Attends. Ou alors. Non. On va dire que c'est comme ça. Ah, putain, attends. Non. Parce qu'en fait. Je l'ai pas précisé, mais on peut pas revenir sur les là où on était, hein, bien sûr. Non. Non, toujours pas. Faut que je résous en fait ce truc là. Non, ça va pas. C'est Non. Parce que là comme ça, ça a pas fonctionné. Là je loupe un truc. Si je fais comme ça, j'en loupe un. Si je fais comme ça, j'en loupe un. Un cran haut, un cran puis droite. Comme ça. Ah, ok, d'accord. Je crois avoir compris ce que tu veux dire. Attends. 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 Peut-être comme ça plutôt, non? Bah non. Attends. Ok. Ah, attends. Oh!
Non, ça va pas régler mon problème de schmurs là. Il faut que j'arrive en fait à faire un cercle comme ça. Ça me fait des trous dans le crâne. Ah! Bim! Bim! Voilà, c'était ça la solution. Ok, et ça m'a ouvert la porte. Voilà, c'est tout. Enfin, ouais, ça fait bim, bam, boum. Ouais, on est tombé bien bas. Hein. Ça marche pas? Oh, attendez, je regarde. Est-ce que mon. Il est où mon fast pain? Il a disparu? Oh no! Attendez. Attendez. C'est ça. Dès qui? Tu te mets un O. Comme ça. Comme ça. Et on recoupe. Yes, et oui, il a. Voilà, c'était juste pour ça. C'était vraiment que pour le fast pain. En fait, comme tu as trouvé la vidéo, on a déjà le plot twist qu'en fait on est dans la matrice. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai spoilé le film. Le jeu. Ou le film du jeu. Celui-là. Non, plus tard. Je l'avais fait, je m'en souviens, je crois que j'ai passé 1 heure. Sur ce puzzle. 1 heure. Une. J'étais heureux. Ça c'est fait. D'accord. Bah écoutez, on va continuer. On va suivre bêtement le chemin. Comme ça, comme un idiot. On va suivre le chemin. Oh, j'aime beaucoup le design là, comme ça, là. Tu sais, ça fait vraiment des points de fuite, quoi. C'est très chouette. C'est joli. Il s'entourait de très bons artistes 3D hein, en vrai, hein, pour faire l'environnement. Parce que lui. Il a fait tout le game design et ensuite les gars ils devaient faire. Ouh! Ouh! Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Le jeu du film du jeu. Non, mais c'est ça, c'est. Oui, oui. Te moque pas. C'est joli ça, c'est joli tous ces traits noirs là. Par contre, vas-y pour trouver un point de vue assez haut pour. Oh! Oh! Bonjour toi. Oh! 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 Ah, oh! J'ai compris. Oh! J'ai compris comment résoudre ça. Ah, oh! Allez! Attendez, on va revenir en arrière. Excusez-moi. J'ai même pas commencé la série de niveaux que je reviens déjà en arrière. Le mec, il pète un câble. Hein. Après, faut dire, voilà, je sors de. Faut aller vraiment en haut de la tour, j'ai l'impression. Ah, mais je peux pas aller en haut de la tour. Oh. 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 Bah non. Non, ça marchera pas. Bah, ce sera en bateau. Oui, parce que dans le jeu, il y a un bateau. Donc, on verra ça plus tard. On prendra pas le bateau tout de suite. C'est pas intéressant. On va d'abord faire la série de niveaux, là. Vous m'excusez, hein, je suis parfaitement un électron libre, hein, sur ce jeu. Oh, attendez, c'est quoi ça?
Je vais pas t'activer là. Active-toi là. Vous savez pourquoi il s'active pas? C'est parce que ça, c'est rond, ça c'est un trait, mais là, regardez, il y a un dummy qui cache du coup le truc et qui empêche de faire le puzzle. C'est une règle qui bouge pas du tout le jeu. Si tu veux que ton puzzle, enfin si tu veux faire le trajet, faut que tout le trait soit nickel. Bref. Ouais. Non mais je ouais. En vrai, je pense que j'ai perdu les rares neurones qui me restent. C'est fini pour moi. Oh, bonjour toi. Alors, qu'est-ce donc? Ah, voilà. Lui, c'est le fameux... Le fameux symétrie. Ok. Oh, c'est quoi ces bases? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont jolis, en plus. Bon, la texture est mal foutue, ici. Vous voyez que là, elle se répète pas bien. Pas bien ça, Jonathan. C'est du travail bâclé, ça, mon gars. Là, hein. Là, déjà, tu perds 10 points. Là, regardez là. Là, vous voyez ce trait-là. Ça, c'est une texture mal répétée. Et là, je suis déçu. Parce que je crois que c'est la première fois que je vois un truc mal foutu. Parce que regardez, les autres, ils n'ont pas ce souci, j'ai l'impression. Ah, si. Là, ils ont tous ce souci. Ah, c'est dégueulasse. Ah, merde. Bon, bah, tant pis, hein. On fera avec, hein. Oh, bonjour, toi. Pourquoi t'es là? Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, ça signifie un truc. Ah, oh, bonjour. Bonjour, regardez. Bonjour. Ah, attends. Non. Attends. Il est là, je le vois. Je vois la matrice. Je le vois, il est là. Et vous entendez? Vous l'entendez, c'est sûr. Vous l'entendez, hein? Ah oui, hein, vous l'entendez. Salut, Pixel. Allez, viens, ma grande. Bonjour. Dis bonjour au chat. Bonjour. Hein? Ouais, c'est ça. C'est exactement. En fait, c'est exactement ça. Alors là, je me mets dans la position spéciale Pixel pour qu'elle reste posée sur mes genoux. Le problème, c'est que là, elle va vouloir bouger dans tous les sens. Et je vais reculer le micro exprès parce qu'elle va le faire tomber plusieurs fois. Et donc, je pense à vous. Alors, te moque pas du Mioli de Pixel. Elle le vit très bien, mais je voudrais pas qu'elle replonge dans une dépression à cause de ça. Voilà. Vous la laissez tranquille avec son Mioli. Et d'ailleurs, je banne tous ceux qui disent du mal du Mioli. Et je les débanne tout de suite parce que j'ai personne en viewer, donc partez pas, s'il vous plaît. Ça va, toi? Eh? Ça va? Bro? Oui, idiot, elle est contente, hein? Ah, t'es contente. Voilà, là on est sur un fan chief classique. Musique chill. Un jeu. Bon, le jeu il prend la tête. Mais un jeu à la cool. Parce qu'on prend pas. On prend notre temps. Et un chat. Notre pixel national. Donc là elle miaule plus parce qu'elle est contente, elle est là. Tel maître, tel chat, à force de râler, la minette fait pareil, bel exemple. Mais en fait, c'est elle qui m'a inspiré. Non mais en vrai c'est quoi? Attends. Ah! Oh j'ai compris! Je reviens. Oh oui j'ai compris. Ah, je suis obligé. Je suis navré en fait. Je vais jamais réussir à faire le truc correctement. Hein. Mais je peux pas. Je peux pas m'arrêter et me dire non je vais à ça plus tard. C'est pas vrai. Tu peux pas t'arrêter et te dire je vais voir ça plus tard parce que tu vas l'oublier. Genre déjà ça je l'ai presque oublié. Bref. On descend par là. Tac 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 tac. Et hop là! Putain. No! Non! Mais c'est pas vrai. Non! Ah! C'est là. Ah non, c'est pas là. Comment on fait? Oh l'horreur. Putain, il a pas osé faire ça. Non, c'est pas possible. Il a pas pu faire un troll, là. C'est pas possible. Ou alors, faut que j'active des trucs et eux, ils se déplacent dans ça. Mais c'est pas possible, ça. Ou alors c'est là, en haut des cailloux. J'y crois pas, je peux pas croire que ce soit un vulgaire troll. Enfin si, c'est un troll, Jonathan, mais c'est pas la question. Musique chill, jeu nul et gentil chat. Voilà, exactement. Merci. Attends. Ah non, on peut pas aller sur le caillou. I know.
Ah, le salaud! Ah, le petit salaud! Je donne mal à la tête. Ah, pardon. Je vais faire un truc. Vous savez quoi? Alors, attendez. Est-ce que... paramètres, non. Commande. Non, tu sais quoi? Sensibilité au plus bas. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, quand je bouge vite, ça devrait aller. Tu t'en vas déjà? Tu m'abandonnes? Ah non, tu peux pas me laisser comme ça. On avait presque fini le jeu. Non, je déconne. Jamais de la vie, on aura fini le jeu. Pas en une soirée, c'est impossible. Ah ok. Non mais excuse-moi alors, je vais essayer de faire attention. Là j'ai quand même baissé la sensibilité pour éviter que la caméra elle tourne trop vite. Ah attends. Là ce câble... Ah attends, on va chercher le câble. En fait les câbles ça permet de donner la suite des puzzles. Ok. Puzzle là, tac tac tac, faut chercher les câbles. Ah voilà, c'est ça le premier puzzle. Tout bêtement. Donc là, vous comprenez, on peut faire ce qu'on veut, mais faut forcément que les deux arrivent. Ok. Alors, je vais remettre la sensibilité un peu mieux. Et là, là on est déjà sur un problème, c'est que lui il peut plus avancer, donc on est obligé de déplacer comme ça. Comme ça, comme ça. Hop là. Là, on est obligé de descendre. Comme ça. Comme ça. Du coup, ça nécessite de réfléchir les deux trucs en même temps. Un peu comme certains jeux, vous savez, qui ont essayé de jouer avec le avec la dualité d'univers. Il y avait eu des jeux comme ça. Bah, comment ils s'appellent? Ah, c'est ils sont marrants. Hein. Ah, ils se croient drôles, les gars. Hein. Et tu te dis tu peux pas commencer sur celui-là ou sur celui-là, mais en fait si tu peux. Je vais juste prendre le. Voilà. Tac tac. Ok. Ok. Oui, un petit château, c'est mieux. Attends, je vais quand même voir si dans les commandes. Ah, mais là, c'est au plus bas. Attends, vitesse souris 3D. C'est peut-être ça. Je vais la diminuer de 2. Ah, attends, peut-être pas de 2. Parce que là, je galère à balayer le bordel. On va faire comme ça. Voilà, comme ça, même si quand je m'excite, ça devrait aller. Ok. Et je vais essayer de pas m'exciter, promis. Mais c'est... Des fois, en fait, ouais, bon. J'ai essayé de faire mon mieux. Hein. J'essaie de me contrôler. Ok. Donc là, on va suivre le trait, pardon, excusez-moi. Donc là, maintenant, on a... Voilà, la suite des... Les événements, donc là ils font faire commencer à des points différents. Attends, je vais commencer par celui-là, excusez-moi. Ah oui, là il te demande de tac tac. Ah oui, c'est... Il te demande de retourner un peu encore ton cerveau, un peu plus ton cerveau. Des fois qu'il n'ait pas été assez. Ah ouais, c'est marrant parce que du coup le truc il est un peu fondu, donc ça fait un peu perturbant. Ah non, on peut pas faire comme ça. Voilà. Et alors lui c'est encore pire. Là c'est n'importe quoi. Mais c'est marrant parce qu'il joue de ça, donc voilà.
Et d'ailleurs, quand on parle de symétrie, vous voyez que ici, l'eau est parfaitement. Elle réfléchit parfaitement, donc il y a une symétrie. Une symétrie partout. Ok, ok, ok. On va continuer, on va suivre les machins. Je t'observe, décor. Hein. Me prends pas pour la moitié d'un. Ok. Voilà. Ok. Alors ça, c'est faire. Il y a des trucs fermés, donc on peut pas le résoudre. Et donc là, va falloir. Ouais. Tac, tac, tac. Trouver le début. Là. Ça, c'est le début, je crois. Ok. Donc, vous voyez là, il y a une symétrie plus la collecte des petits bidules. Putain. Et déjà là, il veut te faire cramer la tête, tu vois. Ah, le sol. Attends. Je vais te faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, ça, hop, hop, voilà. Parce qu'en vrai, tu pourrais juste faire ça. Sauf que ça marche pas, il faut récolter ça. C'est pour ça en fait il rajoute à chaque fois un niveau supplémentaire. Ah non, tu vois je peux pas en fait on peut pas faire ça parce qu'après on pourra plus accéder au truc. Donc faut faire ça. Non, attends, faut faire ça. Attends. Ça. Le problème c'est qu'en fait tu peux pas juste. Oh putain. Voilà. Ok. Pour celui-là, je me suis pas fait chier, en fait, je me suis concentré que sur un pour récolter tout, vous voyez. Et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. Ok. Ok. Donc là, on va suivre le bandeau. Voilà. Donc là, maintenant, il faut récolter des trucs. Il faut que chaque couleur prenne ses trucs. Pourquoi j'ai pas compris là? Ah zut! Mais attends, il fait exprès. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Ok. Ah mais oui c'est ça là, si je veux. Voilà. Attends, comme ça.
Et là, je bloque tout. Ok. Je suis obligé de faire ça. De toute façon. Ok, là on est bon. Ah non, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Ah si, on est bon. On est bien là. Bravo à toi. Bravo Victor. Victor, on s'en fout. T'as vu ces arbres là, enfin ces branches, quand vous regardez là, on croirait des poissons qui nagent. Il me fume ce Blow, ce monsieur Blow. Alors, voyons voir. Allez. Non. Non. Ah, attends. Peut-être que c'est. Ah, mais non, je peux pas faire comme ça. Ah, ouais. J'ai un peu mal au dos. J'avais pas forcément une bonne assise en plus au ciné. Ils ont changé. J'ai l'impression qu'ils ont changé les fauteuils ou quoi, mais j'étais vraiment mal installé. Ok. Mais là je peux. Est-ce que ça me. J'arrive même pas à croire que là j'y vais à la zob et j'y arrive plus facilement que quand j'essaie de réfléchir. Ah, vous avez remarqué là le jaune là il est de plus en plus désaturé. Genre bientôt il sera invisible. Je m'en souvenais plus de ça. Genre là on n'est pas loin de plus rien voir. Voilà, donc là typiquement on voit plus rien. Alors, parce que là, si je fais comme ça, lui, il arrive en bas, d'accord? Ça veut dire qu'il faut que je fasse comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Et donc là, en fait, vous voyez, on n'a qu'un seul trait, mais il y en a bien deux. Parce que si je fais comme ça, alors que lui, il monte comme ça. Donc, il faut que je réfléchisse à l'envers. On va commencer, du coup, par là. On va aller là. On va même aller là. Comme ça, lui, il a son jaune. Et ensuite, je fais le reste du trajet. Et hop, là, c'est bon. Et là... là, il n'y a même pas de bleu à récupérer. Là, c'est juste le jaune. Mais vu que le jaune est invisible, on ne sait pas. Donc là, si je fais comme ça, lui, il aura fait comme ça. Okay. Donc, on va faire... Il est là. Ensuite, il monte. Comme ça. Ok. Hey, comment ça? Attends, tac. Voilà.
Je l'avais vu, il me trottait depuis avant là, dans la tête celui-là. Et là on a. Ah là on a, ouais, on a d'autres puzzles. Alors là ces puzzles ils sont vraiment vraiment trop bien. Parce que là vous dites. Bah non, je comprends pas pourquoi. En fait, le décor de fond, c'est le trajet. Ah, attends. Tac tac tac. Si je... Ah oui c'est ça. En fait, c'est. Voilà, il faut en fait entourer les cailloux. Vous avez compris? C'est ça le. Ça en vrai, c'est génial. C'est incroyable. Donc là, là on se base sur le reflet supposé, vous voyez, parce que lui ça va comme ça, et comme ça, tac. Donc là c'est supposé derrière, vu que c'est caché, mais vu qu'on voit ici la partie basse, là on voit la partie haute, on suppose que c'est comme ça. Et ça c'est génial. Ça je crois que c'est mes puzzles préférés. Mais vous allez voir qu'il y en a plein des comme ça. Vraiment super, où tu découvres 8 pixels. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bonjour aux gens? Mais viens, viens sur mes genoux. Et t'es bien là sur les genoux. Pourquoi t'es parti? Tu veux des gratouilles, mais je peux pas t'en donner, je stream là. Là, je t'en donne un peu. Mais tu gardes ce que je viens de te donner, tu emmagasines et tu utilises quand on a besoin. Hein. Allez. Et je reviens après. Je te ferai plein de papouilles. Ok. Et donc lui, on comprend pas. Parce que lui, typiquement, on se dit c'est ça. Mais non, ça marche pas. En fait, vous voyez, c'est parce que la solution, elle est là. Et là, en fait, on fait le puzzle comme ça. C'est génial, hein? Ah bah oui, j'aimerais bien, mais elle est, on va dire, volatile. Vous voyez, donc ça c'est génial. Alors, il me semble en plus que cette énigme spécifiquement, Titus la comprenait pas. Parce que il n'avait pas en fait, il n'avait pas encore eu le truc, l'épiphanie, le côté. Mais c'est normal, en fait, c'est un jeu qui force personne. Il va pas te dire, faut faire comme ça, machin. Il va te laisser découvrir. Et effectivement, si tu butes, tu dis, bon, je comprends pas, là, ça marche pas. Et en fait, à un moment, en fait, quand tu comprends ça, là, tac. Tu te dis, ah oui, d'accord. Et en fait, tu comprends que tu n'es plus obligé de comme ça. Qu'en fait, il va falloir peut-être jouer avec le décor et comprendre. Et je trouve ça super. En fait, c'est un exemple de game design incroyable. Parce qu'au début, là, ceux-là, ils sont transparents. Tu sais pas pourquoi. Tu comprends pas trop. Et là, les premiers puzzles, ils te disent, ah tiens, regarde, faut utiliser les reflets des bidules. Non, j'adore le jeu. T'es ouf. Donc là, par exemple, si je me mets en face, ça a l'air d'être ça. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. Mais c'est ça. Là, visiblement, la règle, elle a un peu changé. Là, faut vraiment entourer, mais là, il y a du vide, mais faut quand même pas couper. En fait, faut pas couper les cailloux. C'est ça, la règle. Je sais pas comment parler en verlan. Guéchant. Guéchant. Un truc comme ça. Là, on comprend pas, mais si on place comme ça, ou pourquoi pas, on part dans l'audace et on le fait dans l'autre sens, vous voyez. Alors là, par contre, faut juste trouver le... Voilà. Et là, bim. En fait, là, c'est les palmiers qu'il faut... Et voilà. Parce que là, on se dit, oui, mais c'est pas ça, c'est peut-être les cailloux, mais les cailloux, ils donnent rien, et voilà. Tu changes de côté et là tu te dis, ah ouais, mais en fait, vu que c'est transparent, tu peux voir de deux côtés. Là tu te dis, ah ouais, c'est vraiment ça qui est génial sur ce jeu. Tu fais, ah ouais, d'accord. Par contre, c'est ça, c'était le dernier, c'est dommage. Parce que ceux-là, ça font partie de mes préférés. C'est mes petits puzzles doudou. Quand je les ai vus, en fait, je pense que c'est mes préférés parce que c'est ceux qui m'ont vraiment fait une explosion de la tête. Ah, regardez, il y a un... Tac. Laisse-moi tranquille. Formerly, voilà. You appeared to me, O Lord, as invisible by every creature because you are a hidden, infinite God. Infinity, however, is incomprehensible by every means of comprehending.
later, you appeared to me as visible by all. So a thing exists only as you see it. And it would not actually exist unless it saw you. For your vision confers being, since your vision is your essence. Thus, my God, you are equally invisible. Mais lui, je vais pouvoir le faire après. As you are invisible. As the creature is, which exists only in so far as the creature sees you, you are visible. You, therefore, my invisible God, are seen by all, and in all sight you are seen by everyone who sees. You who are invisible, who are both absolute from everything visible and infinitely super exalted, are seen in every visible thing. Therefore, I must leap across this wall of invisible vision. Tiens-toi là. Hein? On fait des câlins, on fait du crapaud. This wall is both everything and nothing. For you, who confront as if you were both all things and nothing at all, dwell inside that high wall which no natural is. Si vous trouvez les audiologues relous, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, ça me gonfle. Je les trouve pas, je sais pas, ils m'emportent pas en fait. En vrai, je. Peut-être qu'il y a un vrai message hein, là-dedans, mais je me le. Viens, installe-toi, ma grande. Viens. Bon. Bah, écoutez, le stream est un peu. Cassé, hein, parce qu'il y a Pixel qui veut les gratouilles. Eh hey. Pixel veut les gratouilles, hein. Et Pixel veut les gratouilles, hein. 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 Et ouais, elle veut les gratouilles, hein. Elle s'en fiche du stream. Tiens, regarde, hop là. On va baisser un peu le truc. Ouais, je pense que c'est ça. Je pensais pas que c'était aussi long. J'avais pas souvenir que c'était aussi long. C'est pour ça que je l'avais mis. Je me suis dit, ouais, ça va être un petit truc, voilà, comme ça. Et que j'avais souvenir que c'était pas ouf. Mais en fait, là, c'est très long. Et en plus, c'est pas ce relou. Donc, on va pas les mettre pour la suite. Enfin, pour la suite, je sais pas si on va faire d'autres streams hein, sur ce jeu. Moi, je le faisais comme ça. Parce que là, sur l'instant, j'avais vraiment pas d'idée, de motivation ou plus que ça. Et ce jeu, j'avais envie de le refaire. Enfin, de le refaire, de le faire réellement. Donc, voilà. C'était un peu le occasion. Donc voilà, je suis navré là, le stream va devoir s'arrêter pour cause de gratouilles intenses exigées par Dame Pixel. Voilà. Hein, Pixel ? Elle veut gratouille, hein ? Hein ? Mais oui ? Mais oui ? Ah là là. Du coup, de toute façon, en plus, ça fait déjà, ouais, ça fait déjà une petite heure 20. Les fins de shield, j'ai pas forcément prévu de faire des longs streams, donc c'est bien. C'est bien que ça, on va dire que ça s'arrête là. Ça donne un peu une idée globale du jeu si vous envoyez des gratouilles. Tiens, du coup, tiens, les gratouilles de Red Beer. Oh, ça c'est bon. Oh, c'est bon. Oui, si. Oh, ça c'est bon. Oula, j'arrive plus à tenir en place. Voilà. Je t'ai envoyé les gratouilles. Le puzzle là, c'est que si tu gratouilles le chat correctement et débloques un secret. T'imagines ? Tu sais, je fais comme ça et ensuite t'as des particules qui s'envolent. Ce serait rigolo. Alors tu fais comme ça et. Bref. Voilà. Donc c'était The Witness. Je ne pense pas faire d'autres streams dessus parce que j'ai envie d'en profiter tout seul. Là où le début, j'y allais rapidement, donc c'était bien. Ça évitait aussi que vous étiez là pour arrêter pendant 3 heures. Parce que par exemple, un Odus avait fait un stream hein, sur le jeu. Mais lui, il stream plusieurs heures, vous voyez. Donc ça dérange pas en fait qu'il fasse un stream là-dessus. Moi, ça dépasse pas les 2 heures mes streams. Donc je peux pas me permettre de faire une série là-dessus. Parce que genre, il y aurait certains streams. Pendant une heure, on serait bloqué sur un puzzle, deux puzzles. C'est pas. Voilà. Sachant qu'il y en a énormément. Il y en a des centaines et des centaines. Je sais plus combien il y a de puzzles. Mais quand ils avaient communiqué le nombre de puzzles, mais tu dis, c'est n'importe quoi. Tu dis, oui, mais il y en a certains qui sont bidons. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça qui sont bidons. Les premiers sont un peu bidons. Mais sinon, ouais. Ah. Donc là, on a des. Ok.
Et c'est qu'on va faire stock. Ah, là, il y a une règle. Il y a une règle, faut essayer de la comprendre. Est-ce qu'elle est... Ah, ah. Attendez. J'ai compris. J'ai compris la règle. Lui, faut faire ça. Et du coup, lui, faut faire la symétrie de ça. Il faut faire en haut, à gauche, en bas, tac, tac, ok. Faire comme ça, comme ça. Ah, mais attends, je peux pas. Ah, si, c'est bon, c'est ça. C'est ça. T'as vu ? Lui, en fait, il n'y a pas les trucs, et donc, faut faire la symétrie. C'est incroyable, hein ? Je fais le mec à chaque fois surpris, mais c'est vrai que je reste surpris par le jeu, par son ingéniosité. Et là... Attends, je vérifie. Ouais, c'est bon, il y a la même cassure, parce qu'en fait, je suis sûr que là, sur le troisième puzzle, ils vont mettre une cassure supplémentaire à l'autre truc, et donc, il faudra prendre ça en compte. J'en suis presque sûr. Parce qu'il est fou, ce Jonathan. Il est fou et insupportable. Attends, fais comme ça, 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 comme ça. Ok, et donc, il faut que je commence... comme ça, comme ça... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça ? Oh, 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 pourquoi il s'est éteint ? Pourquoi il s'est éteint ? Genre, j'ai pas le droit à l'erreur, faut que je... Attends, c'est pas grave. Wow, 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 on va se détendre. Attendez. Alors, je vais quand même bientôt arrêter le stream, en vrai. Là, j'ai continué parce que bah, Pixel s'est calmé. Attends. Ah oui. Attends. Non, c'est pas ça. J'ai une mémoire de... d'antilope. Attends, comme ça. Hop là. Là, ça la réallume. Ah oui, d'accord, en fait, si j'ai l'erreur, faut que je refasse le puzzle d'avant. Relou. Descends tout en bas, on remonte tout en haut jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et... Ok, d'accord, c'est simple. Remonte tout en haut jusqu'à ce qu'on puisse plus. On fait comme ça, comme ça. Comment ça? Et... Ah, j'ai compris mon erreur. Ok, d'accord, c'est bon. Attends. Faut arrêter de m'embêter, lui. Hein. Non, mais oh, c'est pris pour qui? C'est un jeu... Ouais, mais là, je le fais pas encore, mais en fait, en vrai, par la suite, il va falloir vraiment un papier, un crayon, mais genre vraiment. Un de mes frères, qui adore les puzzles... Il a fait des papiers, plein de papiers, énormément de papiers, parce qu'en fait, t'avais plein de choses qu'il fallait que tu notes à force de les faire des machins. Non mais attends, je vais quand même... Oh, oula. Je remets le micro, vu que maintenant Pixel est posé. Moi, j'ai Ardoise Velleda pour ce genre de jeu. Ah, c'est pas mal, ça. Mais je suis pas fan du Velleda, parce que ça nécessite un feutre, et du coup, je suis pas... Ouais, ça m'embête. Une Ardoise avec un crayon, ça peut être pas mal. Hey. Mais ça va mettre de la craie partout. Donc, Pixel m'a abandonné. Donc je remets ma tête. Désolé. Navré que vous ayez à subir ça. Oui, c'est bon. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Et au lieu de venir là, je fais comme ça, et comme ça. Eh. Non mais oh, il m'a pris pour qui, lui? Oh. Donc là, en fait, il y a un seul endroit où tu peux vraiment démarrer, c'est celui-ci. Tu peux pas démarrer à celui-ci. Tu peux pas, parce qu'en fait, si tu fais ça, tu peux pas revenir là. Si tu démarres à celui-là, tu peux aller là. Si tu démarres à celui-là, tu peux aller là. Voilà. Donc tu es obligé de commencer à celui-là. C'est bien parce qu'il te donne une illusion de choix qui n'existe simplement pas. Et là, il va falloir faire attention à pas démarrer à celui-là. Il faut que je démarre à celui-là. Par contre, c'est basique. Comment ça, non? Oh là là, oh la Zermi, là, je te jure. Tac, voilà, tu te rallumes. C'est ça, là. Ah, attends, c'est dans l'autre sens.
faut que je... C'est pas qu'une symétrie comme ça, c'est une symétrie en l'autre sens. Oh là là. On va dire que je fais ça et après j'arrête le stream. Bah, tu rigoles pas en fait, hein, vraiment. Je suis presque sûr que notre très cher Jonathan Blow, il y avait un truc là-dedans. Clairement, c'est là il veut. Non mais. Ah, ok, super, merci. Non, parce que Jonathan Blow, il est capable, il a le mental de faire ce genre de truc, de partir aussi loin dans son trip. Vraiment. Un truc totalement incompréhensible dans ce jeu, et j'ai jamais compris, vous allez dire, mais il est starbé le bonhomme, pas autant que Jonathan, mais genre, vous voyez, là je peux pas descendre plus bas, je comprends pas, pourquoi je peux pas descendre plus bas, c'est peut-être une contrainte exprès pour son game design, mais ça me perturbe, bref. Alors attends, donc là faut que je monte, faut pas que je descende, ah ok, c'est tout, tac, 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 hop là. Bon, alors là, ça c'est vraiment le truc pour te dire, faut que t'actives. Il n'y a pas de puzzle, il n'y a pas de blague, là c'est... Voilà. C'est... Oui, c'est un peu ça, effectivement. Mais oui, ça c'est vrai que... C'est vrai que les jeux textuels façon Zork. Je sais plus si c'est Zorg ou Zork. Donc là, en fait, on a un genre de trajet. Mais effectivement, te donne une sensation de choix, mais en fait, il n'y en a pas. Donc là, on observe, c'est un gros laser. Et en fait, là, on va dire que c'est bien parce que ça termine bien le jeu. Là, ça nous fait vraiment une belle découverte du jeu, au final. Et du coup, ça fera une belle VOD pour YouTube. Ah, c'était prévu. Bon, par contre, il prend 200 ans avec son laser. Voilà. Et le laser, il va là-bas. Ouais. Sur le haut de cette tour. On sait absolument pas à quoi ça correspond, mais c'est là. Et alors attendez, un petit point final parce que voilà, ben là il y a un monolithe. Vous voyez là en fait le monolithe, il y a des choses là. Et vous savez à quoi ça correspond là, ces traits là haut et bas, c'était justement celui-là, le haut et le bas d'ici. Et donc ces monolithes, vous voyez là ils ont des indices entre guillemets. En te montrant qu'il y a des choses à faire là. Là, alors celui-là, il a l'air super complexe là. Mais voilà, il y a des choses à faire. Et je sais pas si c'est. Attendez, je vérifie quand même. Ouais, j'ai l'impression que c'est des monolithes par zone. C'est-à-dire qu'en fait, si tu trouves un autre monolithe, ça va être d'autres puzzles à trouver. Voilà. Et je trouve que ça conclut bien ce que c'est The Witness. Donc c'est pas un stream façon découverte, tu veux découvrir ce que c'est que le jeu, non, c'est plus un stream t'expliquer réellement le jeu. Donc ça, c'est, je pense que c'est bien parce que ça permet aux gens qui n'ont pas compris le propos de départ à quoi ça correspond. C'est simplement un jeu de puzzle, mais qui va beaucoup plus loin que simplement sa vieille nature du « Ah tiens, faut faire des traits ». Ça va beaucoup plus loin parce que ça va exploiter ton environnement, comme les éléments de puzzle, des décors, pour pouvoir en fait résoudre les puzzles. Et c'est ce qui fait que je trouve ce jeu vraiment fascinant. Réellement, hein, y a pas de blague ou quoi. Autant Jonathan, j'ai un peu du mal avec The Bonhomme, ce game designer qui est un génie, hein, y a rien à redire là-dessus, c'est un vrai génie. Autant le fait qu'il le sache et qu'il se le cache pas, c'est un poil agaçant. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc je vous remercie, il est 23h, donc vous allez maintenant tous vous mettre dans votre lit et aller vous coucher parce que demain vous travaillez. Moi pas, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est dur. Et je vous remercie d'avoir été là. Voilà. Moi, le jaloux, pas du tout. T'es pas ma mère. Moi, pas du tout. Non, en vrai, moi j'ai envie de faire un jeu. Hein. J'ai envie de faire un jeu, mais j'ai pas envie de faire un jeu intellectuel parce que je sais que j'ai pas le niveau pour pouvoir faire un jeu. Voilà. Moi, j'ai envie de faire un shmup, tout bête, où je prends un vaisseau, je tire, je m'amuse, je découvre comment on fait un game design et c'est cool. Si par la suite... Oh, j'ai vu un puzzle là, j'en vois plein même. Si par la suite, je me dis « Hey, je veux aller plus loin, j'irai plus loin. » Mais je suis pas
dans ma tête, je reste modeste. Je suis pas, voilà. Attends. Bon, bref, ben je vous souhaite une très 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 bonne soirée, parce que là je suis en train de continuer le jeu, je vais le continuer en fait après le stream, et je vous fais des bisous. Est-ce que je vous enverrai pas quelque part avant? Tiens, on va voir s'il y a quelqu'un à vous envoyer, chez quelqu'un vous envoyer. Alors, voyons voir, il y a personne, ben c'est parfait, ça veut dire que ce sera une très bonne soirée, et à plus tard, allez, des bisous. Donc, vaisseau Vactroid tire sur des sectariens. Eh, hey, pas bête, hein. J'y penserai, ça, merci. Je retiens. Allez, bonne soirée, à plus. Ciao, ciao.